Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo assez spéciale parce que je ne l'ai jamais encore faite jusqu'à présent et c'est une journée dans ma vie, donc je vais vous apporter dans mon quotidien, dans toutes les choses que je fais à chaque jour, donc je vais vous apporter partout ou presque, hein, parce que tiens. Et aussi je vais vous présenter les nouveaux produits Pantene que j'ai eu la chance de découvrir et également avec qui j'ai la chance de collaborer pour cette vidéo-là. Donc on y va! Bon matin! Je me fais voler ma place par Miss Aria. Elle monopolise mon espace de travail. Donc, première chose, je m'en viens m'installer à mon bureau, juste ici. Que j'aime beaucoup trop et là je vais me faire dans le fond ma to-do list de choses à faire pour la journée, comme ça, ça me permet de vraiment bien planifier mes trucs et m'assurer que j'oublie rien du tout. Donc je me suis fait ma petite to-do list pour la journée. J'ai pas tellement de trucs, mais c'est quand même des petits trucs que des fois j'oublie de faire. Donc faut que je regarde mes emails, faut que je planifie mes événements, mes plans de la semaine. Là on est quand même mercredi. On est quand même à la moitié de la semaine, mais je le fais souvent aussi pour la semaine prochaine. Comme ça, j'arrive pas lundi, puis je capote, puis je sais plus quoi faire. Faut que je filme une vidéo YouTube, et faut que je passe l'aspirateur. Puis j'aime ça aussi me faire une petite session de yoga. Des fois, ça me permet juste de me recentrer, de me concentrer, des fois, quand que j'ai plus rien de goût de faire, puis je suis comme, oh, ça me tente pas aujourd'hui. Fait que, on va commencer avec le yoga, comme ça, ça va partir la journée en force. Et vu que je connais pas de flow par cœur, je m'en vais directement sur YouTube. Il y en a une panoplie. Que vous voulez que ça soit vraiment plus relaxant, plus musculaire, ou les deux. Chose que je vais faire parce que je veux me réveiller, je veux me sentir en forme. Fait que, on y va. Ouais, fait que ça c'était pas de tout repos. C'était la première fois que je le faisais, puis c'était vraiment intense. Là. Il m'a traqué demain, c'est sûr. Puis j'ai eu chaud, là. En tout cas. Donc là, je vais filmer ma vidéo YouTube. Faut comme que j'aille m'arranger pour essayer de ressembler à quelque chose. Fait que je vous amène avec moi. On y va. Donc ici, c'est pas mal, genre mon studio make-up, là. Et j'ai mon grand miroir, j'ai mes trucs à cheveux. Peut-être que je trouve ma trousse à maquillage. Found it. J'ai changé de chandail parce que je sais pas pour vous, mais moi avec un capuchon, j'haïs ça, là, tes cheveux sont tout le temps tout pognés. Et là, on est rendu à l'étape avec le plus de job, c'est... les cheveux. J'ai tendance à les laver vraiment beaucoup trop souvent. Et là, j'essaye bien évidemment de les laver le moins souvent possible. Donc là, ça fait 3 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, ce qui est un record pour moi. Et ben là, sont sales. Puis je me suis frisé les cheveux. Fait j'ai du spray net, j'ai plein de produits dedans. Puis je sais pas pour vous, mais moi, mes cheveux, quand ils deviennent sales, on dirait qu'ils perdent de la vie, là. Fait que là, j'ai trouvé une solution pour remédier au problème. Et c'est... le revitalisant sec sous forme de brune. En fait, il va simplement revitaliser vos cheveux, il va les hydrater, donc pour éviter que vous ayez des frisottis pas nécessaires. Et ce que j'adore aussi, c'est que vu que c'est sous forme de brune et que c'est sec, ça va pas rendre vos cheveux gras, au contraire, ça va simplement les rendre lumineux. Donc je vous montre comment faire. Donc j'aime y aller par étapes, donc je vais commencer par les cheveux d'en dessous. Je vais prendre mes cheveux, puis vous faites simplement le mettre environ à cette distance-là, à 45 degrés, pas besoin de le mettre partout comme ça. Simplement à côté de vos cheveux, comme ça, ah! Ça sent tellement bon! La raison pour laquelle je me lavais les cheveux aussi souvent, c'est parce que j'aimais avoir la sensation des cheveux propres, c'est l'odeur. Puis honnêtement, ça sent tellement bon, ça sent frais. Vos cheveux ils ont l'impression de renaître. Puis si vous avez tendance aussi à avoir les pointes un peu plus sèches, vous pouvez vous concentrer à cet endroit-là. Vous voyez déjà la différence? C'est assez capoté. Et on va faire la même chose avec tous les cheveux.
tu sais, vous pouvez voir la différence, là. C'est ici, je les sens juste au toucher, qui sont comme gris chou un peu, là. Ont besoin de vie. Tandis qu'ici, honnêtement, c'est doux, 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 doux. C'est fabuleux. J'adore. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Je conseille aussi de passer vos doigts à travers vos cheveux. Ça va juste aider au produit à vraiment aller partout dans vos cheveux. Hey, pour vrai, je capote à quel point ça rend mes cheveux doux. Moi, en plus, qui touche tout le temps dans mes cheveux, c'est super important que mes cheveux soient en santé et qu'ils aient une belle texture. Ensuite, pour remédier aux cheveux gras ici, j'adore le shampoing sec. Vous savez à quel point j'adore le shampoing sec de chez Pantene. En plus, celui-là, il est sans résidus, donc vous n'avez pas peur d'avoir des traces blanches dans le fond de la tête. Donc, le shampoing sec, encore une fois, j'aime y aller par étapes. Donc, je commence par le dessous. J'y vais pas trop près non plus de mes cheveux. Ça sent tellement bon en plus. Là, je vais aller frotter dans mon cuir chevelu. Comme ça, pour en même temps que ça me donne du volume. Puis lui non plus, ça rend pas vos cheveux secs. Ça fait juste enlever vraiment l'effet gras. Mes cheveux sales en fait. C'est déjà là, vous pouvez voir la différence au niveau du volume. Fait que je vais l'en mettre aussi sur le dessus. Honnêtement, avec celui-là, j'ai même pas peur d'en mettre directement sur le dessus vu qu'il n'y a pas de résidus. Même chose de l'autre côté. Mes cheveux sont encore un peu frisés d'il y a deux jours, donc je vais simplement rafraîchir un peu les boucles avec un fard plat. Donc j'ai simplement rafraîchi quelques couettes parce que j'aimais déjà comme la forme de mes cheveux, donc 2-3 couettes et c'est fini. Donc là je m'en vais installer mon kit YouTube, donc lumière, caméra, tout le kit. Vous allez pouvoir voir c'est quoi le behind the scenes de tout ça. Et je vous filme une vidéo de mes projets qui s'en viennent en 2020. Donc là vous comprendrez que je vais couper les sons comme ça vous allez pas pouvoir entendre. Mais j'espère que ça va vous plaire puis c'est ça. Et ben là vous voyez que j'ai pas vraiment d'équipement hein, parce que j'ai pas grand chose. J'ai pas beaucoup d'espace dans ma chambre donc je cache tout. En dessous de mon lit. Oh oui, parce qu'à un moment donné, il faut se faire de la place quelque part. Hein? Bon, je dois pas être la seule à faire ça, mais fun fact, je vous dirais que 98% du temps que je filme une vidéo YouTube, ben là, j'ai une petite laine, un petit haut cute, mais je suis en bas de pige. No shame. A few moments later. Donc je viens de terminer de filmer la vidéo YouTube, ça m'a pris environ 45 minutes, 1 heure. C'est en moyenne le temps que ça me prend pour ce genre de vidéo-là, surtout que j'avais vraiment des bullet points super précis. Moi, à chaque fois que je finis de filmer une vidéo YouTube, j'ai le goût de faire du ménage, surtout que là, mon appart a besoin un peu de rafraîchissement. Donc je vais passer l'aspirateur, partir de lessive, puis c'est ça, je vous montre ça. Et là, vu que j'ai terminé de filmer la vidéo, je vais me mettre au montage, faire mes emails, toute la job un peu d'ordi. Et monter une vidéo, habituellement, ça me prend environ... Si je me donne, là, c'est environ 5 heures. Mais j'aime y aller comme en petit bout parce que comme ça, après ça, quand je vais au montage, je vois des trucs que peut-être au début, je voyais pas. Je deviens un peu plus créative, comme que des fois, je fais un 5 heures straight, j'oublie le temps. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais je vais commencer par mes courriels. Fait qu'au moins, enlever ça de ma checklist. Planifier mes événements pour la semaine prochaine. Planifier un peu ma semaine de la semaine prochaine aussi. Ensuite de ça, je vais faire le montage. Fait que, on y va! Est-ce que tu dis allô aux amis? Allô! On s'y met...
A few moments later. Bon, ben je viens de terminer de filmer ma vidéo YouTube. Ça a été un de ces montages-là où j'ai juste sprinté. Là. J'étais tellement dedans que je l'ai terminé. Je suis bien contente. Sauf que là, hein, vu qu'on est l'hiver, il fait noir à 4h30. Et là, j'ai un souper bientôt, fait que je vais aller me préparer parce que... J'ai de la job à faire, fait que je vous amène. Let's go! Oh là là! Et là, comme vous le savez, je suis pas une personne qui se maquille énormément, donc je vais juste faire quelques top chops. Là, mon mascara a légèrement coulé, puis ça va être plus la partie des outfits qui est un peu plus difficile parce que vous le savez, j'ai bien du linge, bien des choix. Puis là, des fois, je suis comme... C'est une soirée quand même relax, là, je m'en vais souper juste avec des amis, fait que je veux pas un maquillage trop intense non plus, mais juste... pour avoir l'air un peu plus vivant. Donc, c'est ça qui est ça pour le maquillage. Ensuite de ça, on va s'attaquer aux cheveux. Et quand c'est la fin de la journée, j'aime beaucoup utiliser des produits qui vont donner beaucoup de volume à mes cheveux. Donc, je vais utiliser le shampoing sec sous forme de mousse. Il est super bon pour les cheveux frisés. Si vous avez des cheveux qui sont naturellement bouclés ou simplement au fer plat ou au fer à friser, en fait, ça va simplement leur donner plus de volume sans rester trop sec. Donc, garder une belle... ondulation dans les cheveux. Petit truc avant, en mettez vraiment pas beaucoup parce que la mousse gonfle énormément. On veut pas en mettre trop à la base, on veut comme le build-up. Donc je voudrais simplement comme un 25 cents pour commencer, là, gros comme ça, c'est bien en masse. Et en fait, la mousse est faite avec du tapioca, donc ça va comme venir absorber l'huile de vos cheveux de fin de journée. Je vais commencer par la racine de mes cheveux, puis je vais simplement gonfler, je vais masser mon cuir chevelu. Encore une fois, juste un simple petit 25 cents. Parce que ça gonfle. Un petit pépère. Et je vais vraiment masser le cuir chevelu pour que ça ramasse vraiment tout l'huile, tout le sébum de la journée. Pour me laisser un effet volumineux. Pour vrai, j'adore. Et pour garder l'effet super léger, lumineux de mes cheveux, je vais venir mettre le Never Stray. En fait, c'est un fixatif, mais qui garde pas les cheveux croustillants. Donc, ça va simplement garder la fluidité de vos cheveux, les belles boucles séparées comme ça. Honnêtement, je l'adore et je l'ai testé et c'est approuvé. Les cheveux vont rester beaux tout au long de la soirée. Puis assurez-vous aussi de pas le mettre trop proche. Je dirais que la distance, c'est environ 30 à 45 cm. En fait, pour n'importe quel produit que je mets en brume ou en spray, tout simplement, je trouve que c'est une bonne distance. Ça permet au produit de vraiment venir s'apposer sur vos cheveux au lieu de que ça soit tout pogné, là. Vous voyez à quel point que mes cheveux, ils n'ont aucun frisottis à cause du revitalisant de ce matin. Les boucles sont super belles, c'est super fluide. Il n'y a aucun effet croustillant, là. Voilà! Et là, c'est temps des outfits! Donc, première option. Mais faut être réaliste, il fait frette dehors, fait que je pense pas qu'avec un blouson, on va avoir assez chaud. Fait que, on va voir. Prochain outfit. Troisième outfit. Une petite laine, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Fait que, je pense que le troisième, ça va être le bon. Et le troisième... une jupe en laine. Je sais que j'ai changé pour avoir plus chaud, mais quand même, j'étais en laine puis je trouve ça plus confortable. So, this will be it. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Vous comprendrez que là, je m'en vais souper, je vais passer ma soirée avec mes amis, décrocher un peu. Fait que on se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, donne-moi un gros thumbs up et bien évidemment, si vous avez des questions, suggestions, écrivez ça dans les commentaires. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour plein d'autres de beaux contenus. Et bien évidemment, on se revoit dans une autre vidéo. Gros, gros, gros bisous et plein d'amour! Bye!